ferveur et recueillement pour celui qui était un héros du séparatisme pro-russe en Ukraine. Des milliers de personnes, jusqu'à 100 000 selon les autorités locales, sont venues rendre hommage ce dimanche à Donetsk à Alexandre Zakharchenko, tué vendredi dans une explosion qualifiée d'attentat par les pro-russes. Sacha, comme on l'appelle souvent ici, était le président de la République autoproclamée de Donetsk. Je ne connais personne d'autre qui s'est autant dévoué à la République et à son peuple. Et finalement, il a même donné sa vie pour son peuple. Il était, on peut le dire comme ça, la garantie d'une paix relative et l'espoir d'une sorte de bien-être. Tous ici accusent l'Ukraine et ses services secrets, mais Kiev évoque pour sa part des conflits internes aux autorités de Donetsk. Le cercueil de Zakharchenko, arborant le drapeau de la République populaire de Donetsk et celui de la division aéroportée de l'armée russe, a été porté sur un canon d'artillerie jusqu'au cimetière.